matin. Donnera ça à Joanne. Excuse-moi, Normand, de t'interrompre, mais c'est parce que j'ai eu un flash extraordinaire. Hein? J'ai eu un flash extraordinaire. On va changer de place, Normand. On va changer de place. Change de place. Toi, tu vas faire Marc Labrèche, puis moi, je vais faire Kunta Kinte, le fils de la jungle. Alors, tu vas voir, c'est très simple. Ce que tu as à faire, c'est que tu lis la fiche ici, puis tu as juste à parler vite. Hein? Ouais, vas-y. Excuse-moi de t'interrompre, Normand, mais je n'ai que 5 minutes pour te parler d'un sujet d'importance capitale, le ver de terre. Ah, c'est flagué, Normand. C'est un vrai délice verbal. C'est complètement éclaté. Je vais aller me chercher un petit café. Continue. Ah, Marc, non! Marc, non, Marc, oh, c'est pas vrai. Alors, le ver de terre, l'animal, est un petit insecte. Normand! Quoi? Il n'y a plus de lait! Dépêche-toi, Marc. Le ver de terre est un petit insecte qui est tellement... qui me fait penser à... Ah, que je suis content de te voir. Ben, je vais voir ça tantôt. Comment ça se passe? Ça va de quoi on parle cette semaine? Le ver de terre. Alors, on pourrait alors commencer par certaines notions de zoologie, qui, comme tu sais, Normand, est la science qui étudie les animaux, de même que certaines parties du corps de Marie-France Bazou. Alors, le ver de terre, qu'on appelle aussi le Dendrobaena arborea, qu'on appelle aussi le Dendrobaena octaedra, qu'on appelle aussi... le Lubricus castinus, qu'on appelle aussi le Lubricus rubellus, qu'on appelle aussi Robert Guispuli, fait partie de la grande famille des métazoaires archéozoaires, tout comme Céline Dion d'ailleurs et sa sœur Claudette. Un ver de terre normalement constitué peut mesurer jusqu'à 30 cm de longueur, pas normal, et est essentiellement composé de petits anneaux si semblables les uns aux autres qu'on peut très difficilement distinguer la tête du reste du corps. Et ça, sans Normand, c'est un des autres merveilleux tours que nous a joué Dame Nature. Est-ce que tu connais Dame Nature, Normand? Non. Tu connais pas Dame Nature? Ah, c'est une... Attends, j'ai une photo d'elle ici, je vais te montrer ça, c'est extraordinaire. Regarde ça. Je sais pas si on peut montrer ça. What a town, mais... Check le pétant, Normand! Check le pétant! Qui pourrait dire que sous ses dehors timides et réservés, cette jeune fille, en fait, est une véritable insatiable bête de sexe? Hein? Qui pourrait croire ça, Normand? Déjà tôt le matin, elle a goulûment avalé sa crème Bodwig, et là, elle sort dehors avec une petite robe pas de manche, et là, elle se met à chasser le champignon et à courir le papillon. Et le soir, Normand, le soir, elle écume les bars et ratisse les dortoirs à la recherche d'un corps qu'elle pourrait faire souffrir toute la nuit. C'est une bête, Normand, c'est une tigresse. Si ce que je viens de vous dire vous excite, vous pouvez essayer de rejoindre Dame Nature au 521-2424 à partir de demain. Je le répète, le 521-2424. Ah, je tenais des fiches, c'est ma dernière chronique. Normand, tu sais, des fois, je fais des grands tours de bicyclette avec ma fille Léane, qui vient tout juste d'avoir un an cet été. Alors, je la passe sur mon petit siège en arrière, et là, on part à travers les routes bucoliques de campagne. Et là, Léane rit et applaudit de bon cœur, enivrée par les odeurs capiteuses de camembert qui coule, de crottins de chèvre et de petites miches de pain à peine sorties du four. Et là, je me tourne à elle et je lui dis, regarde, mon amour, mais regarde, regarde, les vignes sont en fleurs. Bientôt, on fêtera les vendanges. Et là, Léane me dit, oh, papa, arrêtons dans ce hameau. J'ai envie de goûter ce nectar délicieux dont tu me chantais la lalie. Mais là, je dis, mais à four la caisse, mon amour, à four la caisse. Je dis, oui, tout de suite. Alors, nous descendons et nous allons dans la maison du père Barbichette. Et là, dès que nous entrons dans la maison du père Barbichette, nous mangeons des cochonailles et des victuailles. Nous dansons la bastringue et la branlette. Et là, nous buvons le vin nouveau. Et là, juste au moment où je réenfourche ma bicyclette pour retourner chez moi, c'est à ce moment-là que le père Barbichette m'arrête par le bras et me dit, « Hé, l'ami, que fait le ver de terre toute la journée? Il doit s'ennuyer dans ses longs souterrains sous le sol, n'est-ce pas? Il prépare quelque chose, le ver de terre. C'est pas catholique, ça. C'est pas catholique. » Et là, je dis, « Hé, là, pour remercier le père Barbichette du merveilleux après-midi que j'ai passé avec lui, je lui crache littéralement le visage, j'enfourche ma bicyclette avec Léane et je repars vers moi. » Et c'est dans ce moment-là, Normand, que je me dis que la vie peut être merveilleuse. Mais reste que la réflexion du père Barbichette au début... C'est gentil. La réflexion du père Barbichette, au début, m'avait amusé, mais a commencé sérieusement à m'inquiéter. Alors, j'ai été voir des scientifiques. Des scientifiques affolés qui venaient tout juste de découvrir, et là, je ne fais pas de blague, qu'une tonne de ver de terre peut manger l'équivalent de 250 tonnes de sol humide et fertile chaque année. Ce qui veut dire, après un calcul effroyable, que dans 17 ans, jour pour jour, la planète aura la dimension d'une balle de tennis, Normand. Ce qui signifie l'anéantissement complet de la race humaine et donc de Nicole Germain. Mais est-ce vraiment là une consolation, Normand? C'est ce que je me demande. Alors là, il faut absolument, écoute, si on veut survivre, il faut absolument faire quelque chose pour se réchapper de ce fléau effroyable qu'est le ver de terre. Alors, il faut partir en guerre. Mais je dis littéralement le mot, en guerre contre les vers de terre. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, Normand, directement ici, sur le E. Regarde bien ce que j'ai avec moi. Sur le E. Alors, voilà, couche-toi à plat ventre, s'il te plaît. Couche-toi à plat ventre derrière ça. Derrière, non, va-t'en de ce côté-là. Comme ça, OK, ça, c'est ton camouflage, Normand, mets ça. OK.
Là, ce qu'il faut, c'est se rendre dans la tranchée là-bas. Je pense que c'est là-bas qu'il y a des vers de terre. Okay. On rentre. On rentre, attends. Oui. Sais-tu combien coûte la bille que tu me donnes? Sûrement. Je pense à tes enfants, non. Sais-tu combien? OK, 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 c'est assez, Normand. Okay. C'est assez. OK. Passe-moi ce que tu as bien. Attends. Ah, ils sont là, Normand. Oui. Ils sont là, je suis sûr, ils nous épient pendant qu'il y en a d'autres qui mangent le sol, les écœurs. Regarde ce qu'on va faire, j'ai un plan, OK? Toi, tu vas les distraire. Okay. Pendant ce temps-là, moi, je vais passer par en arrière, puis dès que je vois un verre de terre, je l'écrase comme une punaise, OK, Normand? Okay. Pour le distraire, tu vas chanter. OK, chante. Qu'est-ce que tu veux chanter? N'importe quoi, chante, Normand. Bleu, bleu, l'amour est bleu, bleu comme le ciel qui roule dans tes yeux. OK, ça va, ça va. Ça donne rien, là. Il reste encore caché, il va falloir attendre. Chère Fabienne, je suis encore à la guerre. C'est dur, mais j'ai toujours la photo de Dame Nature pour me tenir compagnie. Chose étrange. Hier, Normand Bratoué a essayé de m'embrasser sur la bouche. Que me conseilles-tu? C'est quand même un noir. Dis bonjour aux enfants. Marc, qui t'aime? Normand, t'as entendu quelque chose? Non. Non, j'ai entendu comme un coup de feu, moi, là. Puis je rêve pas, j'ai entendu comme un coup de feu. Ah, Normand, je suis blessé! Je suis blessé! Ramène-moi dans notre cachette sur le... Ramène-moi dans notre cachette sur le... Je suis blessé! Ah, ils m'ont eu! Ah, ils m'ont eu! Ah, ils m'ont eu! Normand, je vais mourir, Normand. Normand, je t'aime beaucoup. Normand. Est-ce que je suis vraiment ton ami, Normand? Oui, Normand. Oh, Normand, je me meurs. Je suis vraiment ton ami, Normand? Oui, je peux-tu te dire quelque chose avant de partir? Oui. Je peux-tu te dire quelque chose? Oui. T'as une crotte de nez juste là. Oh, Normand, je meurs. Adieu, Normand. Au revoir à la prochaine, Normand. C'était Marc Labrèche. Merci, Marc.